Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce dimanche devrait être le 18e dimanche du temps ordinaire dans lequel la liturgie prévoyait un passage de Matthieu chapitre 14 qui parle de la multiplication des pains. Mais aujourd'hui, l'Église célèbre le 6 août la transfiguration du Seigneur. Donc c'est cette fête-là qui entre dans la liturgie d'aujourd'hui. Et nous lisons justement Matthieu 17, versets 1 à 9, comme l'évangile du jour. Voyons le cadre dans lequel les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont suivi Jésus sur la montagne, sur le mont Tabor, pour expérimenter la transfiguration du Seigneur. C'était une période de haute tension. Tension entre les chefs juifs, les pharisiens, et Jésus, le maître de ses disciples. Ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qui pouvait arriver à leur maître devant la persécution croissante et devant la tension montante entre lui et les pharisiens. Alors le Seigneur a voulu les rassurer, a voulu leur montrer qu'il n'y a pas danger en demeure, qu'il n'est pas seul, que le Père est avec lui. Et alors il les amène au Tabor et révèle sa gloire à leurs yeux. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie pour nous que le Seigneur est à côté de nous et il marche à nos côtés, même au milieu des troubles, au milieu des difficultés qui envahissent notre existence. Que nous ne devons pas avoir peur quand nous l'avons à notre côté. Un épisode du second livre des Rois montre quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec Jésus. C'était dans le cycle du prophète Élisée que un roi étranger voulait capturer parce qu'ils utilisaient ses connaissances prophétiques pour déjouer les plans militaires de l'armée ennemie en faveur d'Israël. Il a envoyé une armée capturer le prophète. Mais le prophète a voulu faire voir à son disciple que le Seigneur Dieu qu'il servait était avec lui et qu'il n'est pas besoin d'avoir peur devant l'armée qui voulait les envahir pour le capturer. Et il a prié le Seigneur d'ouvrir les yeux de son disciple, ce que fit le Seigneur en permettant à son disciple de voir toute l'armée qui les entourait pour les protéger. Et cette manifestation a donné une certaine sérénité aux disciples d'Élisée. La même chose s'est passée avec les apôtres de Jésus qui l'ont suivi sur la montagne. Et l'apôtre Pierre, quand il parlera de la transfiguration du Seigneur dans ce que nous avons aujourd'hui comme la deuxième lecture de notre liturgie de Pierre, chapitre 1, versets 16 à 19, il dit qu'il ne s'agit pas des fables, il ne s'agit pas d'histoires de vieilles, mais d'une réalité qu'il a vécue en première personne, parce que devant cette lumineuse et grandiose manifestation de Dieu, Pierre a voulu faire des tentes, trois tentes pour Élie, et pour Moïse et pour Jésus. Il a oublié même eux-mêmes qui étaient avec Jésus dans cette expérience. Notre Saint-Père Augustin dira, « Pierre, descends, ne prends pas plaisir de cette vision que tu as sur la montagne, descends pour prêcher l'Évangile. » Ce que Pierre fera, il descendra au point même de donner sa vie, de verser son sang pour cet Évangile. Eh bien, quand nous faisons une expérience particulière de la merveille des miracles du Seigneur, c'est pour que nous ayons plus de force pour rebondir et porter l'Évangile et sa parole auprès des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui perdent l'espoir pour annoncer ce Jésus que nous avons expérimenté, comment il est vivant, comment il travaille, comment il opère dans la vie de ceux qui lui font confiance. Le monde entier est un Tabor, mais nous ne voyons pas souvent la gloire de Dieu. Le Seigneur nous demande d'ouvrir les yeux. Il veut ouvrir nos yeux pour contempler ses merveilles dans la création et proclamer sa grandeur
dans le quotidien, dans ce qui se passe jour après jour dans notre vie. Puissions-nous ouvrir nos yeux dans la circulation, dans la collaboration avec ceux avec qui nous travaillons, dans tout ce qui se passe chaque jour pour voir la transfiguration du monde, voir le monde et l'univers avec des yeux transformés et transfigurés par celui qui nous appelle à rendre témoignage à ses œuvres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.